cette semaine, nous avons l'honneur de rencontrer la célèbre chef québécoise Anne Merlot à son restaurant montréalais Le Quotidien. Elle nous parle de son fameux dessert, la bombe au chocolat, qui vient de remporter la fourchette d'or de Lyon. À vous la parole. Alors, la bombe au chocolat, en fait, c'est une mousse au chocolat qui est fourrée avec la meringue et qui est servie avec un coulis de crème anglaise décoré avec de la ganache au chocolat, comme vous pouvez le voir, et qu'on peut décorer soit avec des amandes grillées, dans ce cas-ci, j'ai utilisé des copeaux de chocolat. Alors, dans un moule conçu exprès pour le dessert, je verse une partie de la préparation de la chocolat. Et ce matin, les conservateurs du Parti communiste indiquent que la situation est calme à Moscou. Un espagnol brigadista. Parmi le groupe voyage une magnifique. Je suis contente que tu sois venue. Marc, je te
présente Anne Merlot. Ah, je suis très heureux de vous rencontrer. Enchantée. Ce soir, votre lancement, c'est mon trou normand. Je suis flatté, mais le calvados est dur à battre. Oh. Et la semaine dernière, j'allais dîner à votre restaurant. Un vrai festin. Bravo, là, ton livre. Ah, Claire. Tu sais que j'ai un article sur le GIF qui vient d'être publié. Ah oui. Félicitations. Oh, merci. Voilà. Bon, je m'en vais. Au revoir. C'est quoi, GIFT? GIFT, c'est la fertilisation de l'œuf. GIFT, c'est le sperme mélangé avec l'œuf. Non, c'est le pré-embryon qui est inséré dans l'utérus, dans les trompes de Fallope, je crois. Non, c'est le zygote qui est transféré dans le truc, c'est ça. Annie, tellement que ça devient mêlant. J'ai lu un article sur les technologies de reproduction hier. Oui, mais on ne peut pas se souvenir de tout. Oh, je vous laisse tous les deux. Monsieur Ricard. Oui. Le roman de Marguerite Yourcenar est à la fois visionnaire et durement objectif. Si mystérieux, si simple à la fois. Tenez, je vous offre mon livre. Oh, vous êtes vraiment trop gentil. Oh. Merci. Pour en revenir à votre restaurant, je dois dire que le menu est unique. Chaque plat que j'ai choisi est un pur délice. En savourant mon repas, je me suis dit que vous deviez être une chef fascinante. Les truffes et les chanterelles au fromage de chèvre chaud, une entrée pleine de caractère. La soupe froide de fraises, une vraie fraîcheur de jeunesse. Ensuite, le riz de veau, sauce au madère. Madère, oui. Sauce madère, une chair tendre dans une sauce très riche et prospère. Et la bombe au chocolat. Quelle sensualité. Elle a explosé dans ma bouche. Vous êtes un fin gourmet. Un poète. Et parlons plutôt de votre livre. Oui. Eh bien, le livre parle de l'explosion de l'information. Un des chapitres traite du fait qu'on est bombardé par l'avalanche d'informations contenues dans les livres, les magazines, les journaux, la télé. Venez, je vous en prie. La radio, la vidéo, l'Internet. Ah, 1000 livres publiés à travers le monde par jour. Ah oui, par oui, jour. Oui. Oui, nous consommons une très grande quantité de faiseries et de bribes d'informations qui, en fait, nous éclairent très peu sur le monde. Or, la surinformation équivaut à zéro information. Nous en sommes rendus au point que si nous ne lisons pas tout et ne comprenons pas tout, nous nous sentons coupables et impuissants. Ah oui, j'ai une amie qui sent comme ça. Un jour que j'étais dans une librairie et je bouquinais, tout à coup je me suis senti submergé par tous ces livres que je ne connaissais pas et j'ai fait une crise d'angoisse. C'est pas croyable, la même chose est arrivée à mon amie. Mon appartement était rempli de livres et de documents de toutes sortes que je n'aurais pas pu lire en trois longues vies. Vous devriez voir l'appartement de mon ami. Laissez. Ça va. Alors j'ai dû accepter que je ne pouvais pas tout savoir. Que je me tire, lui répéter. Oui, j'ai commencé une diète à faible teneur en information. Maintenant, je ne lis que ce qui m'intéresse et je me sens beaucoup mieux. Votre ami devrait commencer une diète. Il devrait, oui. Ça va? Oui. Monsieur Ricard, bravo. Votre lancement est un véritable succès. Merci. Anne Merlot, vos commentaires sur le livre. Bien, je suis persuadée que Zéro Information fera un malheur, comme d'ailleurs son dernier livre, La Génération des idéologies. Vous voulez dire le déclin des idéologies? Oui, le déclin des idéologies, c'est ce que je voulais dire.
Monsieur Ricard, merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi. Alors, vous en avez des peines. Elle a dit génération des idéologies. C'est une ignorante. Je ne veux plus t'entendre dire je ne connais pas. Je me suis dit que vous deviez être une chef fascinante. Ici Winston McQuaid, mesdames et messieurs, bonsoir.